Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si vous avez un Mac et vous avez oublié le mot de passe de session. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a oublié son mot de passe de session et vous n'avez plus du tout de possibilité d'accéder au Mac. Ici, je vais insister sur le sujet, il faut absolument que le Mac soit relié à un identifiant Apple obligatoirement, car la technique utilisée va pouvoir en fait changer le mot de passe. Mais obligatoirement, il va falloir que vous ayez un identifiant Apple pour pouvoir changer ce mot de passe. Ici, lorsque vous êtes sur une session ouverte, là aussi, vous pouvez lancer VoiceOver à la volée en appuyant sur la touche CMD, dite touche commande, puis la touche F5. Vous appuyez les deux en même temps. One character, enter password, secure and edit text as keyboard folk. Alors, il peut arriver qu'il parle en français ou en anglais. Normalement, il parle en français. On va aller donc sur le nom. Christophe Tacayet Group. You are current, enter password. Ici, je vais par exemple entrer le password. Login failed. C'est pas bon. Login failed. Ok, on est en difficulté. Le mot de passe n'est plus utilisable. Alors, on va passer la méthode forte. On va aller le changer. C'est parti pour la vidéo sur le changement de mot de passe d'un Mac à l'ouverture d'une session. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, et pensez surtout à partager cette vidéo avec vos amis. On va donc éteindre notre Mac, et au démarrage du Mac, lorsque vous allez entendre le bruit significatif du Mac, donc le petit bong, vous allez appuyer sur la touche CMD, la touche commande, et en même temps vous appuyez sur la touche R. Et ceci, vous allez garder cette position une dizaine de secondes, et voilà ce qui va apparaître. Sleep restart button. Ici, on appuie sur commande R. Dès que vous entendez ce bruit, c'est le bruit significatif. On appuie sur commande R. Le démarrage de votre Mac va se faire plus longuement, donc n'ayez aucune crainte, ça va mettre vraiment beaucoup plus de temps pour démarrer, et on va voir ensuite comment ça va se passer. Voilà, lorsque vous allez arriver sur cette fenêtre, vous allez devoir donc lancer votre VoiceOver. Alors ceci est pour les personnes déficientes visuelles. Ceux qui n'ont pas de problème visuel, aucun problème. Vous allez aller sur la barre de menu. La barre de menu qui se trouve tout là-haut. Et vous allez aller sur utilitaire. Ici, je vais lancer VoiceOver. Il faut savoir que le VoiceOver est activable dans toutes les situations bien avant que le Mac boot. Ce qui veut dire que vous avez vraiment accès à l'intégralité des services du Mac, même avant que celui-ci soit démarré. Donc, je vous disais, on va se rendre sur la barre de menu tout là-haut et sur utilitaire. Utilitaires. Vous êtes activé. On va donc sur utilitaire. On ouvre le menu avec flèche bas. Utilitaires. Et tout en bas, on se dirige sur Terminal. Terminal. On le valide. Terminal. Vous êtes terminal, terminal, bash, 80.24, fenêtre, cell text, bash 3.2 numéro, invalide. Une fois le terminal ouvert, vous allez donc marquer reset password, R-E-S-E. R-E-S-E-T, reset. Tout collé, P-A-2-S-O-R-D. W-O-R-D. Et on valide. Bash 3.2 pound, reset password. Une fois que vous avez fait entrer, une deuxième fenêtre s'ouvre qui vous propose de choisir sur quel utilisateur vous voulez changer votre mot de passe. Alors attention, maintenant vous allez suivre toutes les étapes. Pour cette étape, il faudra que vous soyez bien connecté au Wi-Fi de la maison ou au Wi-Fi partagé
de votre smartphone. Il faudra avoir un identifiant, un ID Apple. Et il faudra donc avoir un iPhone ou un iPad disponible. Car une fois que vous allez manipuler, car une fois que vous allez demander à réinitialiser le mot de passe, Apple va vous envoyer un code pour vous donner l'autorisation de faire cela. Voilà donc toutes les étapes à franchir pour changer le mot de passe de session si vous l'avez oublié. Ça peut arriver, vous pouvez avoir quelqu'un dans la famille, des amis qui ont oublié leur mot de passe session et grâce à cette technique, vous allez pouvoir leur enlever une grosse épine du pied. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces astuces, ces tutos et démos. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!